Et coucou le YouTube. J'espère que tu vas bien. On continue Chrono Cross. Alors, sachez-le, je vous le dis, je suis, je pense, la seule chaîne YouTube qui perd des abos tous les mois. Genre, je crois que tous les mois, sur les j'étais à 1100 il y a 3 mois. Et là, je suis à 1000. Parce qu'en fait, avant, je faisais de l'unboxing. Et comme maintenant, je fais que du gaming, je pense que les gens, ils se disent, c'est nul. Bravo. C'est un concept. C'est comme pour ma chaîne Twitch, ça. C'est des concepts que je mets en place. Donc, on s'était quitté sur le bateau fantôme. Alors que qu'est-ce qu'on est bien avec toi? Ah là là. Ah, merci. On rigole, hein. On fait la rigole. Attends, petite question. Est-ce que quand je parle et que je clique comme ça, est-ce qu'on entend fort le clic de la manette? Ou on l'entend pas du tout? Ou à peine? Pirate. On entend à peine. Ok, merci. Ah! Vous en êtes sorti! Ah, j'ai cru que j'ai cru que vous y resteriez quand j'ai vu entrer ces monstres. Hier soir, j'ai pensé à toi dans mon lit. Alors, dis comme ça. Ah, comment t'as pu croire que la puissante kid n'était pas de taille? Enfin, passons, hein, c'est quoi le barouf, là? Ah, désolé, je ne sais pas non plus. J'ai attaqué dès le départ. Allez-y, je vous arrêterai pas. En même temps... C'est vermé. Il y a une note. Gardez la clé. Et une grande responsabilité. Il y avait de l'orage, beaucoup d'éclair, ça va faire ça son bronze. Oh non, pas son bronze. Il y a plein de gens qui ont eu des orages et tout chez eux là. Apparemment c'était la tempête, il y en a qui ont eu des trucs de ouf là. Genre des grêlons. J'aime voir quand je t'ai fait peur. Ça c'était pas cool hein. La peur bleue. Chier dessus. Oh, du fer, c'est bien ça le fer. Alors toi tu vas te calmer tout de suite. C'est chier dessus, non, son bronze c'était vraiment compliqué pour moi. C'était pire que... Donc il fait peur. C'était pire que dans l'eau. Alors, et pourtant j'ai vraiment peur dans l'eau. Je me suis chié dessus. Je t'ai sauvé la vie toi. J'ai pas demandé qu'on m'aide. Ah bah nique. Ça va bien niquer. Vous voyez, on va le faire. Hein. Non, ça c'est trop peur. Hein. Les sons qui font... Les sons qu'on se chie dessus en plus, ils m'envoient. Parce que moi j'ai le son plus fort que vous dans les oreilles. Hein. Allez, petit hot. Qu'est-ce que je fais? Oh, le con. Ah bah oui, super, merci beaucoup, hein. Qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. C'était horrible. C'était horrible ce jour-là. Je m'en souviens comme c'était hier. Horrible.
Oh, elle est nulle, putain, mais elle est nulle. Jour, t'auras ta revanche. Nul du cul. Non mais moi je suis pas revanchard. Pas qu'il est en jean. Elle fait ça. Elle est contente. Elle est en short, c'est pour ça. Elle aime bien les shorts. C'est l'été, c'est pour ça, elle aime bien. Moins 100. Comment ça, moins 100? Il fait mal Sergio. Ah, c'est parce que je crois que c'est parce qu'ils craindre. J'ai fait la magie où ils craindre. Ils sont ténèbres et j'ai fait la magie de la lumière. De toute façon, j'ai toujours rien compris encore aux magies et tout dans ce jeu. Moi, j'y vais YOLO. Toujours rien compris. Moi je mets des magies, j'attaque au pif après. Rouler jeunesse, comme dirait l'autre. Hein. Raté. Oh non, le monstre. Ça, c'est incompréhensible. Ah, c'est un peu bordel. Il y a des menus sous menus, des éléments inversés, pas inversés, mais il faut remplir la couleur, pas la couleur. Voilà quoi. Regarde. La couleur. Pillage. Bon. C'est vrai que c'est un peu bordel, quoi. Ah, c'est les RPG de l'époque. Je sais jamais comment mettre mon micro. Est-ce que c'est mieux comme ça, vous pensez? Voilà, comme ça. C'est peut-être moins gênant pour vous, on voit mieux. Vous voyez mon beau visage fabuleux. Je me suis reposé. Je me suis couché tard. Mais je me suis levé tard. Une clé, désolé, pas mon boulot, dans une pipe. Mais j'ai Glandax aujourd'hui, donc ça va. Ça va. Je me sens pas fatigué. En fait, là, je me sens pas fatigué, je me sens plus, pas envie, quoi. Je sais pas comment expliquer. Là, je suis là, avec un S, je suis las. C'est la chaleur, ça, je pense. Mais tu es où? Là. Piège infernal. Quatre-vingt-sept pour cent, 100%. Elle est là, las de s'effleurer. C'est une chanson d'Olivia Ruiz. La femme chocolat. C'est la femme chocolat. Mais non, mais Olivia Ruiz, c'est la femme chocolat, non? Oh non, mais foutez-moi la paix, vous m'emmerdez.
Moi, je me souviens plus trop de ces chansons, mais si je les réentends, je m'en souviendrai. Et ça me revient pas comme ça. Elle a en crevé. Je connais pas. Ça me dit rien comme ça. Mais moi, je connais qu'un album d'elle. C'est La Femme Chocolat. J'ai dû entendre beaucoup de fois ces musiques. Et dans celui-là. Eh ben, je m'en souvine pas. Peut-être que je l'entends, je m'en souvine après, hein, mais... En fait, on a parlé, c'est quoi le piège infernal? Beaucoup Olivia Ruiz. Ouais, c'est pas mal. C'est pas elle qui jouait dans le film là avec le cœur. La mécanique du cœur. Ou le cœur de je sais plus quoi là. Où elle chantait dedans, elle faisait la voix. C'est bien ce film aussi. Je les ai ouvertes. Jack et la mécanique du cœur. Ah, je savais bien que... C'est triste un peu, je crois, de mémoire. Je crois que ça tourne mal, cette histoire. Je crois que c'est genre l'histoire qui tourne mal. Genre à la fin, il meurt ou... Ou il apprend que c'est pas une vraie personne ou je sais pas quoi. Ou il donne son cœur à l'autre pour la sauver. Enfin bref, mais c'était... Je me souviens que c'était pas ouf. Il fallait qu'on regarde c'était quoi le truc. Non, me parle pas. Attends, merci. C'est ça. Ouais, non, mais c'est ça. C'était pas gay, quoi. Objet. La pastille. C'était quoi l'objet que j'ai eu tout à l'heure là? Je me souviens plus. Ah oui, piège infernal. Envoyer l'ennemi droit en enfer. Tenter d'extraire l'âme d'un corps de l'ennemi. Du corps de l'ennemi. Passer en noir les attributs ennemis. Ah oui. Ma foi. C'est cool, hein. Piu, merci de votre aide. Oh, mais vous êtes qui? Ah oui, vous êtes les marins d'eau douce qu'on a jetés dans la cale. Mais comment? Enfin, c'est plus important maintenant. Allez, où voulez aller? Oui, mais on n'a pas la clé. N'est pas la clé. N'est pas la clé, n'est pas la clé. Bon, bah alors on va descendre alors. Qu'est-ce qu'il fait? Il marche dans le vide. Incroyable cet homme. Bon. Là. C'est fermé à clef. Là. Comment il fait pour sortir? Retournez là où vous étiez, je me charge de celui-là. Ok. Ah mais... Je voulais prendre le coffre. Bon, les coffres avant tout. Hein. Et du coup, est-ce que t'as fait toi le t'as fait le Bioshock? Est-ce que t'as fait le Bioshock? Oh l'enculé. Prévu pour demain. Il est trop bien Bioshock. Et toi tu vas te caguer dessus hein.
Il va se cagade dessus. Bah, il y a des moments, ça fait un peu peur, quoi. Tu ressautes. Et c'est la carte. Non, non, mais non, mais non, mais ça fait sursauter. C'est l'ambiance, l'ambiance. C'est l'ambiance d'une vie. Mais il est trop bien, tu vas voir. Vraiment, il est vraiment trop, trop bien. C'est pas grave, j'aime bien sursauter. Tu dis ça, mais tu veux pas jouer aux jeux qui font peur? Les jeux et les fantômes, c'est différent. Eh ben, alors, le jeu où on est dans les catacombes, c'est pas des fantômes, c'est des momies. Ils sont sous sol, merci quand même. Et le coffre, là, prends le coffre. Bulle d'eau. Bulle d'eau. De toute façon, on n'a pas de mec d'eau, nous. Ça, c'était... un McDo. Pas la ref. C'est Buldo. Buldo, McDo. T'as dit j'ai pas un McDo. McDo, j'ai dit. Ah oui, un McDo. J'avais oublié ce que j'avais dit. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. C'est comme le McDo, c'est pour les musulmans, non? C'est comme MecTube. Bon, alors par contre, c'est bien, mais là... On va retourner dans notre cale. Voilà. Parce que c'est ainsi. Emmanuel Macron. Ah, t'as quelque chose ou quoi là? Je comprends pas. C'est une grande responsabilité. Me fait rire de ma blague. Moi c'est comme mes blagues, et mes blagues c'est avant tout pour me faire rire à moi. Mais il est con ce jeu ou quoi? Attends, parce que là il me dit la grande clé de grande responsabilité, c'est quoi? C'est Spider-Man ça, non? Et éteins les flammes, fais quelque chose, je sais pas moi. Il est bizarre ce truc là. Mais c'est lui qui a les clés. Il faut qu'il bouge son boule. Je lui parle 3000 fois, peut-être qu'il en a marre de répéter. Je vais aller dans la chambre du capitaine. Une clé, désolé, pas en boulot, hein, d'une pipe. La grille. Jean-Michel la grille. Ah, c'est trop là.
Oh la nulle. J'ai nul. Faut que je me soigne par contre là. Élément. Soin de groupe. Elle est devenue tellement forte, c'est abusé. Non, c'est pas la clé, c'est une pilule. Pas la pilule, moi. Mais qu'est-ce que c'est ? Qu'ils avaient volé les pieds déjà? Je m'en rappelle plus. I don't remember. Bam. Attends, parce que là, je crois que si je l'attaque, il meurt donc. Un os. On est tombé sur un os. Il veut lui. Désolé, j'ai pas la clé. En fait, y a personne qui l'a. En fait, y a pas de clé. Quelqu'un a inventé l'histoire de clé, mais y a pas de clé. Il y a toujours les mêmes combats, regardez. On fait toujours la même chose. Bam. Maintenant je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3. Éléments. Pillage. Voilà, et après je fais 1, 2, 3. On va laisser pour qu'elle soigne les gens. 1, 2, 3. Ah! Mais comment avez-vous. Comment avez-vous réussi à sortir? Ah, c'est pas grave, on a d'autres chats à fouetter de toute façon. Encore. Ah non, vous pouvez passer par là. Démonte la ville pour supérieur. Quoi, une clé? Hé, hey, matelot, qui garde la clé? Ah, c'est moi. C'est qui, toi? Où est la clé pour la porte qui mène en bas, c'est ça? Là, voilà. Mais, il y a une heure, il nous enfermait dans un cachot. Et là, il nous donne la clé du pont. Pour un pont supérieur, on peut aussi passer par l'armurerie en bas et remonter par l'extérieur. Bah, l'armurerie, moi, ça m'intéresse. L'armurerie en bas. En bas de quoi? Poussez-vous. J'ai la clé. Ah, ouvre la clé, là. C'est bien, ma clé. Attendez, parce que peut-être qu'il faut faire ça. Peut-être que le jeu, il est chiant comme ça. Il me dit, utilise la clé manuellement. Non, c'est bon. Descends. Oui, descend Doom. Là, je sens qu'on peut l'ouvrir, celle-là aussi. Pas de clé. Il y a une clé à usage unique. Oh non. Encore.
pillage. Oh les claques qu'il met lui. Du cuir. Du cuir. La flèche rouge. J'ai compris, il a fallu que je me cache, c'est ça? Vous allez vous calmer tout de suite. Ça pique le fion. T'es nul. T'es nul. Soixante-douze pour cent, c'est 100%. Pardon. Il y a des choses. Bon, je pense qu'il faut se cacher à chaque fois parce que ils arrivent en boucle, c'est ça? Non, non. Bon bah. Y a rien à fouiller là-dessus là, y a rien à ramasser là. Parce que le jeu, tu vois, ils sont même pas dire on va mettre un truc qui brille pour dire qu'on peut ramasser quoi. Par le Kraken, j'ai encore à voir mes yeux, vous avez réussi à arriver jusqu'ici. Ah, ça m'embouche un coin, matelot. Voulez-vous une boisson vitaminée? Bien sûr. Plus sec. Bah non, pourquoi faire? C'est vrai. Peut-être pour éviter qu'on doive cliquer partout, tu sais. Mais le jeu il s'est dit non, en vrai c'est marrant. Laissons-les cliquer partout. 87%. Bravo. Bravo. Mais non, pas toi, tu sers à rien toi. On va faire taper Serge. Serge, trop fort. Et alors là, on va sortir du combat et on va se faire regank direct. Attention les yeux. Voilà. Instant. Because il y avait les deux monstres. Ah, ah tiens, c'est quoi ça? Hop, c'est mignon. Mignon tout plein ça. Et ben voilà. C'est un moustique. Une sorte de moustique géant quoi. Pas mal, pas très mal. Météore 2. Par le météore de Pégase. CC il s'appelle. On va les voler. Ils ont à voler de beau. Rempart noir. C'est un truc qui protège du noir. Oh merde. Titre. Non, c'est même pas titre, c'est pire. Un truc qui tape tout le monde là-dedans. Hein. Je crois pas. Attends, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il est retourné vers les autres?
Oh, c'est toi qui me tue en un coup, ça. J'ai reconnu. Pourquoi j'ai fait ça, je sais pas, mais je l'ai fait. C'est la décision que j'ai essayé de prendre, mais... Moi, ça me manque, en fait, le côté de... Il n'y a pas de farming, vous savez. Parce qu'à un moment, dans des jeux comme ça, vous farmez les niveaux. Vous voyez? Vous voyez ou pas? On peut rentrer là, on peut rentrer à côté. Non, je dis pas que ça a réapparu les monstres. On peut pas rentrer là, bizarre, hein, bizarre. Est-ce qu'on se les fait? Dans quel but? Que du coup on gagne pas d'XP. Quel intérêt en fait? Farmer les objets quoi. Et on s'en fout un peu. J'arrive pas à changer de monstre. Ah, merci. Oh bon, il est pas mort. Mais ça alors... Je fais le combat uniquement pour ça. Si tu le rates, ça n'a plus aucun sens. Tel Dio. Il y avait bleu, blanc, rouge en haut, j'ai vu. Vous regarderez sur YouTube en haut, sur les éléments, il y avait bleu, blanc, rouge. Ouais, on s'en fout du moins, ça. Et on peut les ralentir si on veut. Et moi, je peux les éviter, regardez. Je suis Vranzois le Vranzais. Un bleu, blanc, rouge. Ah bah tiens. On l'a reconnu, lui, c'est le... On l'avait libéré. C'est lui qui se transforme en plein d'animaux. Ils ont dit se transforme en plein de choses. Météor 2. C'est quoi qui est mieux? C'est ça? Je pense que c'est mieux. Ou Fred. Il va mourir là. Mais... Elle fait pas d'effort, elle. Du queer. Mais du coup, elle est passée où? Non, 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 non. Oh, mais non! Mais... Vraiment quoi t'as... Tu rates tout quoi. Jean-Michel, je rate tout. Grâce, encore grâce. On sait plus quoi en faire, on en a un milliard. Oh non, le soin. On va pas pouvoir soigner le groupe. Si, c'est bon.
Hop, hop. Pilule. Oh non. Faut monter là-dessus? Non. Hypergravité. Qu'est-ce que c'est ça encore? C'est quelle couleur ça? Zegel Gouleur à l'hyp. On l'a déjà. Hein. Nul. Sauvegarde. Faisceau de photons. Faisceau de photons. Faisceau de photos. Non, je vais m'être trompé. Je vais m'être trompé. Qu'est-ce qu'il y avait là? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il y avait là? Je sais plus. J'ai oublié. Rempart noir. Débarrassez-vous des effets de statue noire. Oh, raciste ça quand même. Multiplie temporairement les dégâts. Il y a des dégâts d'éléments. Ouais, mais ça c'est bien, mais c'est pas bien parce que si l'ennemi il envoie un élément, il me démonte mon cul. Mais putain, mais c'est chiant. Donc c'est non. Débarrassez-vous de tous les effets de statut. Bien ça. La panace. Mon tri. Guérison en premier, couleur. Attendez, elle, qu'est-ce qu'elle a pour soigner les gens? Elle n'a pas des trucs comme ça, là, des trucs de statue. Il faut le mettre là obligatoirement. Efia, coucou. Comment tu vas? J'aurais bien équipé en vrai, parce que les effets, on a rien pour soigner les effets. Sauvegarde. Hop. Quoi de beau aujourd'hui que ça? Qu'est-ce que t'as fait de beau? Le boss. Là, ça sent le boss. Vous le savez, je le sais, tout le monde le sait. Hey, juste à temps, matelot. Attention. Bon sport. Ça fait beaucoup d'heures de sport, ça, pour une journée. Merde, il est pas mort. La récup pipe. Bah non, pas encore, je l'ai pas vu. Il s'est enfui. Il a fui. La bête l'a fui. Faut lui courir après. Bah oui, mais il s'est barré. Il a disparu. Il a disparu. Ils sont beaucoup trop nombreux. Ah bon sang. Et vous voulez de marin, un peu de courage, morbleu, allez. Capitaine, oh capitaine! Non, faut les courir après, ensuite au bout d'un moment ils s'arrêtent. Ah. Et on peut y retourner après ou on peut plus? Est-ce qu'il faut que je charge la partie maintenant ou c'est trop tard? Ne vous occupez pas de nous, aidez le capitaine. Est-ce qu'il faut que je fasse charger la partie maintenant ou. Ah, dégagez pas les fantômes! Morbleu, on dirait qu'il y a une grosse vague qui arrive.
Morbleu mon bras, mais il commençait que ses phrases par morbleu. Appelle Serge, c'est ça, va prendre la barre. Morbleu. Je compte sur toi. Et du coup, il faut le récupérer maintenant, on peut le récupérer après, Fia, parce que c'est bien beau de me dire ça, mais si tu me dis pas après... peut-être que t'attends que je finisse le jeu, après elle va me dire... Tu peux plus. À vos postes, il est temps de monter. Je la connais, hein. Elle va me faire le coup, hein. Aux ordres, capitaine. Ah, Serge. Tiens, mets la barre, ils arrivent. Non, seulement là. Ah, bon, super. Il est bien, ce jeu. Franchement, il est très très bien, ce jeu, je trouve. Ah, bouge pas, YouTube, on va se faire chier. Bon, on a rechargé la partie, du coup, on va aller chercher la merdasse. On va tuer les monstres, comme ça ils m'emmerdent plus. Quand tu connais, c'est pareil, recrutement pire, t'as encore plus de personnes à obtenir. Oui, mais justement, t'en as tellement à récupérer des personnages que c'est pas grave si t'en rates. Là, dans le jeu, tu vas avoir 10 personnes dans ton équipe à la fin et... les monstres, ça va bien. Il n'y a pas un truc pour les tuer instant là. C'est quoi ça? En fait c'est... Le problème c'est que c'est pas plus rapide en fait de mettre le truc qui permet d'avoir les trucs à fond parce que du coup je dois faire que les super techniques et du coup c'est très long. Les animations elles durent 200 ans. Bah si tu l'es raté, par accès à la bonne fin, aujourd'hui... Non mais enfin, la bonne fin. Est-ce que tu connais la bonne fin? Est-ce qu'on en parle de la bonne fin? La bonne fin, c'est une scène de 10 secondes, hein. C'est pas, y a pas de grosse différence à ce niveau-là. Très très grave. D'accord. Bien. Bon. Courir après la bête. La bête. Ah mais c'est juste qu'il était caché que j'avais pas vu où c'est qu'il était parti en fait tout à l'heure. Mais pourquoi tu t'approches? Ah tu veux pas que je me cache? Hein? Tu veux savoir ce que je fais là? Ah je suis un passager clandestin, je voulais voir la mer, tu vois. Quand je me suis réveillé, il y avait des monstres partout, il me faut vraiment trop peur. Ah je voulais découvrir le monde parce que tu vois moi, j'ai passé toute ma vie à enfermer dans un labo. Ah tu pourrais me faire voir le monde? Ah bien sûr. Ah merci merci. En fait ça dit toi, t'as pas la bonne fête, généralement l'un des persos principaux meurt. Non. Dans le 1, tu fais revivre Gromio. Et dans le 2, par contre, dans le 2, oui. Dans le 2, tu fais revivre Nanami. Ou Nanami meurt pas. Quel élément idée est-ce que du coup je... Voilà. Blanc. Il est comme moi. Ça m'intéresse pas, là. Et je crois qu'il se tue pas. Ils se battent pas avec comment il s'appelle Joey.
se battent pas. Ils font la paix. Non, j'ai pas joué après les opus en 3D. La 3D, c'est nul. Je supporte pas les chocolats en 3D. En plus, c'est la 3D, c'est le début de la 3D dégueulasse. Qui est trop nul. Qui n'apporte strictement rien au jeu, c'était juste pour dire regardez, on fait de la 3D. Et le jeu perd tout son charme qu'il pouvait avoir avec les. Avec la 2D, justement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux sur PS1 et PS2 que j'ai pas fait en 3D de RPG. Parce que la 3D quoi, horrible. Je pense te dire que t'es pas fan. Ça m'étonnerait que tu sois d'accord avec moi. Vite, le capitaine! Morbleu! Morbleu, capitaine! Oh non, morbleu! OST, ouais, les OST sont bien. Les OST, en tout cas, moi, les deux premiers, que j'ai fait avec les deux premiers. Mais les musiques sont vraiment chouettes. Hein. La fusion. Tatsastasta boulaf. Qu'est-ce que c'est que ce truc dégueulasse. Ces gros tas de morve. Qu'est-ce que la pillage? Hache de cuivre. Pas mal, ça. Moitié moins. Dégâts d'éléments divisé par 2. Ok. Bon, on va déjà mettre les machins, les trucs pas blancs. Quoi ça? Un aveugle? Pas clair. C'est pas clair. Quarante, ah ouais, wow, oh là là. Bah dis donc, A tout raté. 22 encore, ouais, comment ça fait mal lui là. Sergio. Ah non, je crois qu'il l'a envoyé sur un pote. Et qu'il visait à côté, je dirais, qu'est-ce qu'il fait? 48! Oh, dis donc! Bah, tu sais quoi? C'est quoi le plus fort là? C'est ça. Ça, c'est le plus fort. Je le sais. Ah non, j'aurais dû attaquer d'abord, quel idiot!
Ça par contre c'est mal foutu à chaque fois que ça te vide entièrement ta barre dès que tu fais une magie. Tu vois par exemple elle a 7. Genre n'importe quelle magie que je lance, ça me... Bon, de toute façon elle rate tout donc... Non j'ai essayé mes chaussettes montantes que j'avais commandées mais elles m'arrivent au-dessus des genoux alors que je voulais mes cuisses. Ah elles sont trop courtes. On regardera. Oui. On verra si on trouve autre chose. Élément. Colonne de feu. C'est vrai qu'il est pas très fort le boss parce que sinon... On va accélérer un peu la vitesse, non? Parce que c'est un peu mou là. Ah, il est mort. Au moins pour l'hiver, elles tiendront chaud. Ah bah oui. Voilà, faut voir le bon côté des choses. Oh la mer derrière, regardez la mer qui bouge. La déformation du JPEG. On dirait que la mer s'est calmée. Vous dites que vous cherchez à rejoindre le fort Dragonia pour retrouver Ophide et ses hommes, c'est ça? Oui. Je vais vous donner un petit conseil. Le mont de la fournaise, c'est un véritable enfer. Une fournaise, il paraît. Sans protection, vous allez être à plat en un rien de temps. Je vous conseille d'aller guérir la protection divine du dragon de l'eau. En même temps, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu parler. Moi, c'est toujours vivant. En fait, j'ai pas entendu parler de dragon depuis un bail. Entre ça et les monstres qu'on vient juste d'affronter, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Ah, j'ai beau dire. Même la mer, ça va avoir changé. Ah, c'est sûrement notre faute. Ça doit être nous, les humains qui avons causé tout ça. Bien sûr, c'est sûr. Eh ouais. Écoute, j'ai mieux à faire que d'écouter un pirate pris de remords. En part Razli pour aller voir le dragon de l'eau. À part le Kraken, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, oui, oui et non, du coup, normalement, non. On peut y retourner là-dessus. De quoi ça me retourne? Oui, mais non, parce que du coup, je prends pas Razli, parce que j'imagine que... Eh, Mathilde, qu'est-ce que vous faites là? On est bon de partir, on fait que passer. Si, parce que sinon, l'eau, ça... Merde, l'eau, ça fait plus de dégâts sur moi. Mais en même temps, le vent va faire plus de dégâts sur l'eau, non? On va discuter le bout de gras, matelot. Reste là, ouais, ok. Maintenant, on est des poteaux, maintenant. Tu vas... L'eau pique les yeux de ouf. Non, regarde, V. C'est la gerbance. Il faut que j'ai kid, mais pas Razli, c'est ça? C'est rouge bleu. Ah oui, c'est vrai. Vert jaune. C'est vrai, j'avais oublié le fameux. Le feu, c'est fort contre l'eau et l'eau, c'est fort contre le feu. Ben voilà, on pouvait le récupérer là. Après, je suis sur le ptio là. Encore les infos EFIA, ça. Ça brûle, l'eau ça mouille. J'ai la ref. J'ai la ref, mais j'ai plus le nom. Oui. Oh là là. Le turbo, il était rapide là. Est-ce que les portes sont ouvertes maintenant? Est-ce que c'est la journée porte ouverte? Allô? Oh non, mais ça était déjà ouvert. Ah, ça m'a l'air ouvert. Faut cliquer partout.
Quel intérêt de faire une pièce? Attendez, mais tu sais que je m'en vais dans ce jeu. Quel intérêt d'avoir fait une pièce comme ça si c'est pour ne rien mettre? C'est quand même bizarre. Bravo. Bravo le bot. Et en plus ils ont fait 12. Mais il y a forcément un truc ici. Oh, bienvenue, matelot, faites comme chez vous! Mais. Oh, ils ont quand même fait le reflet, hein, c'est. Ça rigole zéro, hein. Y'a plus d'effet dans le miroir dans ce jeu-là que dans le jeu qu'on a fait la dernière fois avec les énigmes. On l'a déjà fait, c'est à côté qu'on n'avait pas été. Si, non, mais si. Si, on a... Si. T'es complètement venu ici. Oui. Ah. D'accord, ok. Et où est l'armure? On était là? Je me souviens plus. Ah oui, oui. Comme toutes les pièces se ressemblent, je sais plus. Bon, bah, y'a que dalle, quoi. Non, mais je voulais parler au pirate. Au pic pirate. Je voulais parler au pic pirate. Bon, alors, voyure. Faut pas que je prenne Risley, tu me dis. C'est où l'eau? Razzly. Personnalisé. Je sais plus comment on change de perso. Ah si, il faut la R, je crois. R ou L. Droite, gauche. Select, start. Équipe. Ah non, c'est carré, oui. Oui, c'est ça. Téléporteur. Oui. Merci. Bon, alors on va prendre du feu alors, full feu. Mais j'en ai qu'un de feu. Pas de l'eau déjà, on va prendre de l'eau, donc E2 non. Du jaune, non. On va prendre lui, la pipo. La pipo, elle a l'air nulle du cul, non? On va tester pipo. Non, pas assez pipo. Parce que pipo c'est blanc et il faut que je mette mes magies à moi dessus, j'ai pas envie. On va prendre. Mojo, tiens. Va à Termina. D'accord, on va y aller, attends. Alors, d'abord. Trier.
trier. Couleur. Oh, il a un point de plus, lui. Mais ça, c'est chiant, par contre. Tenter d'extraire l'âme d'un corps de l'ennemi. Hyper gravité. Mais... Il lui faut un soin aussi. Hein. On va lui mettre... grâce. Et on va lui mettre... des pastilles. Dans la Another World là. Oui, bébé. Pourquoi je vais pas l'équiper là, ça le 2. Ça serait plus 2. Il peut pas être amélioré en fait, j'ai l'impression. Il a un truc lui, j'ai un truc tout noir, tout blanc. Là, ça c'est bien ça pour lui du coup. On va mettre un petit soin là, un petit soin un petit soin niveau 1, il a pas un petit soin niveau 1 là. Un petit soin niveau 1. Non, on n'a pas. Bon. Qu'est-ce qu'on lui met après? Des panaces. Attends, oui, non. Mets ça. Ok. Va à Termina. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y avait à Termina? Attendez, c'est... Merde d'Eden. Il y avait un truc écrit là, non? Ah, c'est là le truc de l'eau. Des cieux là, Termina. Qu'est-ce qu'il y a à Termina? Le forgeron déjà. Ok, attends. Ça.
Ok. La différence entre gilet de fer et cuirasse de fer. On est voir, regardez. Tu connais ça? Oui, on connaît, ça fait 10 fois que tu nous le dis. Je crois que c'est le meilleur stat. Ouais, mais ils me disent pas les stats quand je fabrique. Je perds. Ouais, je gagne de l'esquive, quoi. Ah merde, il faut du cuivre, j'ai pas vu. Bah, désassembler. Armure. Je sais plus ce que je fabriquais depuis tout à l'heure là. C'est cuirasse de fer. Oh c'est chiant ça. Oh c'est chiant, oh ça m'emmerde. Oh c'est chiant. Il faut mettre tous les persos un par un pour les déséquiper, pour pouvoir vendre les objets. Ça c'est des objets que t'avais équipés il y a 8 ans et que tu t'en souviens plus à qui tu les as mis. Je sais plus. Ouais, j'ai dit c'est mieux hein. Oh l'esquive, elle a une grosse esquive là. Ok. Est-ce qu'il y a pas un truc à faire aussi à des magies améliorées ou je sais pas quoi, une connerie quoi. On avait pas fait un truc comme ça la dernière fois ici là. Avec elle là. On avait lui. Ah non, on les a pour acheter des trucs. Va dans la zone à l'est où t'avais vu Glenn, Riddle et... Ah oui, c'était là. Dans l'eau, là. À l'épée. Oh, enfant béni, suis le cours de la rivière et repose en paix. Et lorsque tu reviendras à ce monde... Accueille ton père et ta mère avec un sourire joyeux. Ah, venez lui faire vos derniers adieux. Ah, pourquoi un enfant si gentil? Tout ce que je voulais, c'était partager des moments avec toi quand tu aurais été grand. Ah, pourquoi? Pourquoi tu fallu que tu nous quittes ainsi? Ah bah, tout va suivre le courant maintenant. L'esprit de votre fils montera au ciel le cœur rempli de joie. Il balance les cadavres comme ça, là, allez hop, là c'est parti, on se croirait en Inde. Bah, tout ce qui existe doit disparaître un jour. La nature est ainsi faite, mais cela me serre toujours le cœur. Pourquoi devons-nous affronter la mort? Et qui décide de l'heure de notre mort? Getz, je n'ai pas encore trouvé les réponses, amigo. C'est un catcheur. Le catcheur. Ah, j'ai étranger de passage.
Faisait quelques instants, priez pour cette âme égarée et aidez-la à trouver son chemin. Ah oui, c'est Jean-Michel Alter. Oh, il y a un bateau là-bas. Un cadavre aussi dedans, dans celui-là. Je me souviens de Jean-Michel Alter. Regarde, Jean-Michel Alter. Regarde ça. Et tu es réellement un humain qui n'existe pas dans ce monde? Ah bon? Comment tu sais? Peut-être dirives-tu à la frontière entre la vie et la mort. Tu es trop jeune pour rejoindre les ténèbres. Même s'il est dans mon intérêt de t'aider, mon devoir est de veiller sur les esprits qui sont ici. Tu peux y aller, Gréco. Je resterai ici pour veiller sur le mausolée. Ah, Romana, tu es encore trop jeune pour endosser une telle responsabilité. Les esprits cherchent toujours un moyen d'attirer les vivants vers les ténèbres. Mais Guette, mon frère a réussi à te sauver des griffes des ténèbres. L'exorciste. Ah, c'est un exorciste catcher. Il est sa vie pour t'aider. Je suis chasseur, je n'ai pas ce genre de mésaventure qui va me faire peur. Tu dois sauver ce garçon des ténèbres. Guette aurait voulu que tu le fasses, j'en suis sûr. Enfin, je sais pas quoi, mais j'en ai sûr, quoi. Ah, tu as sûrement raison. Alors, je pensais que la façon de payer ma dette, c'est de vivre caché pour le restant de mes jours. Je comprends maintenant que j'essaie juste d'échapper à mes responsabilités. Puis-je t'aider à échapper aux ténèbres, amigo? Oui. C'est son vrai nom, ça, ou comment ça se passe? Est-ce qu'il fait la lutte gréco-romaine? On l'appelle l'exorciste. Sinon, on peut l'appeler... Comment ça s'appelle? Il s'appelle le catcheur avec le masque, là, le mexicain. Après, on peut regarder sur Google. Hein. Gréco Chrono Cross. Gréco. Gilberto. Fort Gilbert. Gilberto. Il s'appelle Gilbert. J'ai mis son nom sur la langue au catcheur. Mets son nom. Merci. Là, on laissera. Il est quoi lui? Alors quel élément il est? Ah oh, bah il est feu. Ah oh, bah voilà. Gilberto. Il s'appelle le catcheur, il s'appelle John Cena. Rey Mysterio, c'est ça, voilà. Vous savez. Bien joué. T'as triché, t'as été voir sur Google, je suis sûr. À vous. À vous, t'as été sur le Google. Bombe de magma. Bombe de magma. Bombe de magma. Ben oui. Ça triche. On a un truc tout bleu. Des 4, j'en avais 14 ans. C'était marrant le 4, moi j'aimais bien. C'est drôle. Il faut des magies. Par contre, mémoire, il est nul en combat. Ah. Un camp pour un catcheur. Il est exorciste. Exorciste catcheur. Non, non, mais j'ai pas toi que je veux voir. Mais il est nul ou En fait, quel est l'intérêt que je prenne des personnages qui sont d'éléments feu, par exemple?
Parce que, en fait, je peux très bien mettre que du feu sur mon personnage, là, sur Serge, et faire que des magies de feu aussi. Quelle est la différence de prendre un personnage de feu? C'est ça que je comprends pas dans ce jeu. Pas clair, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Y'a rien de clair dans ce jeu. Saturiste. Ça doit être ça. Je vais pouvoir acheter des trucs au pif, hein. Voilà. Ah, trop de sous. Les personnes de meilleures affinités selon les couleurs. Oh, mais s'il est nul. S'il est nul, il vaut peut-être mieux assigner du feu sur Serge que lui qui il fait du feu, mais nul. Du feu nul. Compris. Il faut encore des magies. J'ai pas acheté assez. Et en blanc, qu'est-ce qu'il y a en blanc là? Ils sont... Ouais, pas de magie blanche. Oh la nulle. Serge est hyper OP. Pas d'impression qu'il me donne pour l'instant. Ah merde, je lui ai mis le soin bleu. On va lui mettre c'est niveau 1. Ouais bon, on va laisser comme ça. Météore, faisceau de photon. Météore. On va mettre météore et on va mettre faisceau de photon. Il est où? Voilà. Ah non, mais on l'a pas équipé. Oh merde. Oh non, pas encore. Il nous faut du cuivre. Allez, qu'est-ce que tu veux toi pour du cuivre? Oui, moi du cuivre. Mais frère, t'as rien. Il me faut un truc et t'as pas ce qu'il me faut. C'est quand même incroyable cette histoire. Mais il a déjà le gant. Ça serait pas mieux. Il y a mieux. Non, mais tu me répètes tout le temps pareil, toi. T'as Alzheimer ou quoi? Attendez, démanteler. Désassembler. Armure. Arme. Je sais pas pour qui c'est. Hein. Ah, du cuivre.
Hop. Bon allez, voilà YouTube, ça fait 1h20 quand même la VOD. Des bisous. On se retrouve pour le prochain épisode pour bien sûr le truc de l'eau. Des bisous YouTube.